Il y a presque 3 ans, j'ai tourné une vidéo intitulée « Comment j'ai maigri du visage ?» Et elle vous a beaucoup plu. La forme de mon visage a toujours été un gros complexe. Oui, oui, j'assume. Dès qu'il fait chaud, dès que je suis un peu fatiguée ou que je mange trop salé, il gonfle. Dans cette vidéo, j'ai une semaine pour tester les outils les plus chelous que j'ai pu trouver sur internet. On pourra tout comparer avec des avant-après et voir si ça fonctionne vraiment. C'est parti! Bonjour! On est lundi matin, premier test de cette semaine, on va y aller crescendo parce que plus ça va aller, plus je vais tester des trucs trop chelous. Aujourd'hui j'ai décidé de tester quelque chose d'assez soft. Vous savez que j'adore le gua sha, c'est un petit peu la même chose mais pas la même chose. Et j'ai jamais vraiment testé. Donc on va tester ensemble. Je vais aller chercher dans mon frigo. Je vais dire une phrase d'influenceuse chiante, mais vraiment si vous regardez mes vidéos, vous le savez. J'ai des ongles qui se sont cassés et j'ai loupé mon rendez-vous pour mes ongles. Je ne supporte pas avoir une manucure de fête, j'ai un problème avec ce genre de choses. Donc je m'excuse parce qu'on est lundi, le rendez-vous est vendredi. Ça va être horrible dans la vidéo. Je vais voir que ça. Nous allons tester ce petit outil. C'est trop mignon. Fleur de gymnastique. C'est censé lifter, drainer... L'idéal c'est d'en avoir deux, mais bon, on va pas en acheter deux alors que si ça se trouve on n'aime pas. Let's go! Ça s'utilise un petit peu comme le gua sha, juste c'est assez plat. J'ai mis lotion, sérum et du coup j'attends last minute pour mettre ma crème parce que j'ai peur qu'elle pénètre trop vite et que du coup ça glisse plus. C'est hyper important surtout quand vous massez le visage, faut jamais que ce soit à sec, faut toujours qu'il y ait un produit, idéalement une huile. Ok, go! C'est congelé. Je vais le mettre au bout comme ça, il glisse pas. En vrai, c'est plutôt agréable. Comme c'est assez rond, ça fait vraiment massage pour le coup. Donc ça, j'aime bien. Donc là, j'ai fait vraiment le bas du visage. Ensuite, on va faire la forme de la pommette. J'espère que je vais pas avoir de boutons cette semaine parce qu'il y a des outils pour le visage. Je sais pas, ça me donne des boutons, donc j'espère que ça va pas le faire. Parce que là, c'est que des trucs que j'ai jamais testés. Ok, maintenant, lift les sourcils. Par contre, c'est vraiment trop agréable. En plus, c'est froid. Genre, je sens que ça me réveille. Bon, c'est super agréable, mais je sais vraiment pas si ça fait quelque chose, honnêtement. Est-ce qu'on voit une différence entre les deux côtés? Franchement, je crois que pas du tout. Je voulais commencer la semaine crescendo parce que ça, c'est le truc en quel je crois le moins. Après, on va voir. C'est censé te lifter, mais pour moi, c'est juste froid et tu masses, donc ça draine. Mais il y a quand même pas le mouvement qui lift vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Comme le gua sha où vraiment tu... J'ai l'impression que la graisse ou je ne sais quoi, je la... Vous voyez ce que je veux dire? J'ai des gros problèmes, hein. C'est un gros sujet pour moi. Mon rêve, c'est d'avoir des pommettes bien dessinées comme ça, là. Je reste comme ça. Par contre, ça, je sais pas si vous aussi, moi, j'ai des tensions de malade ici. Et quand je masse, y a rien de mieux au monde. Peut-être qu'il y a une petite diff, mais elle est pas énorme, quoi. De toute manière, ce sera à vous de me dire en commentaire, sur tous les jours de la semaine, ce que vous pensez, si vous voyez une vraie différence avec le avant-après. Personnellement, je me sens bien, genre, vous voyez, je sens que je suis quand même plus réveillée parce que c'était du froid, ça m'a massé, donc je sens que ça m'a réveillée. Après, de là à dire où je vois une vraie définition, parce qu'il faut pas croire, genre, vraiment, le gua sha. En fait, ce que les gens comprennent pas forcément, c'est que tu fais pas le gua sha et tu perds 10 kilos du visage. Juste, ça draine. Donc en fait ça te fait dégonfler super rapidement. Donc t'as vraiment cette sensation de lifting, d'avoir maigri du visage. Mais évidemment le lendemain si tu le fais pas, bah ton visage il est normal. Mais par contre si tu le fais tous les jours, pour le coup je trouve qu'après ton visage prend un peu le pli de tout ça. Et moi je l'ai vu vraiment sur plusieurs années, c'est un truc de fou. Là ce que je peux dire c'est que je ne suis pas sûre d'avoir... Non. Une sensation d'avoir maigri du visage. Voilà. C'est quand même la même chose qu'un gua sha, c'est du quartz rose. Entre les deux, là, je vous conseillerais d'acheter un gua sha. On verra demain si notre test sera plus convaincant. Bonjour! On est mardi, je suis trop fatiguée. Et aigrie, c'est pas grave. Il y a des journées plus faciles que d'autres. On est positif. Aujourd'hui, on teste un nouvel outil pour le visage. Comme je vous ai dit, on va y aller crescendo. Je vais aller le chercher, il est dans mon frigo. C'est un outil que j'avais déjà, mais que j'avais jamais vraiment utilisé pour... Vous savez quel est le but de cette vidéo? Je l'utilisais surtout par-dessus mes masques en tissu. Vous allez voir, je vais le chercher. Le roller à double embout. J'adore, en vrai, j'adore ce genre de truc. Et j'étais en train de regarder. Celui-ci, c'est un Sephora et il est à 24,99€. Ce qui est passable pour un outil visage parce qu'il y a quand même des outils, vous allez voir dans cette vidéo, qui coûte très cher. Donc si c'est vraiment efficace, ce serait bien. Tout ce qui est un petit peu comme ça, comme les pierres d'hier, etc. Ça, je le laisse toujours au frigo parce que c'est plus efficace. Ce roller pour le visage et le cou, doté de deux têtes rafraîchissantes, est idéal pour masser et réveiller la peau au visage. Ces deux têtes permettent de redessiner les contours du visage.
M'en dites pas plus. Ma petite crème avant, on a dit, on n'oublie pas. Je pense que là, si je me trompe pas, je crois qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour où on a des outils assez simples comme ça, dispo partout. À partir de demain, on teste des trucs improbables. Apparemment, il faut pas l'utiliser comme ça, il faut l'utiliser comme ça, pour bien que ça attrape les joues. C'est tellement froid, c'est tellement agréable. Et ça, pour le coup, je suis sûre que ça fonctionne. Parce que c'est tellement froid et ça attrape tellement bien ma joue. Là, on voit. Que je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Oh, j'aime trop, mais c'est incroyable. Mettez-le au frigo si vous l'avez. Hein. Un truc important, quand vous utilisez ce genre d'outil, c'est que c'est toujours vers l'extérieur. On fait pas comme ça. Faut faire comme ça. Les outils visage, j'ai l'impression d'avoir ma vie en main. J'ai l'impression d'être une meuf qui prend trop soin d'elle. Ça me fait oublier le fait que je dors pas, que je mange mal, que je sors pas. Je crois que je vois pas trop de diff. Hein. Ok, l'autre côté. Je jure comment ça me chope la joue. J'adore. Oh mon dieu, je vous jure que ma journée elle va être meilleure. Ah, j'aime trop le massage visage. C'est limite si je préfère les massages du visage que les massages du corps, c'est pour vous dire. Je sais pas, je dois avoir trop de tension dans le visage ou je sais pas. Mais ça me fait trop du bien, genre là, je pourrais m'endormir. Ok, terminé. En termes d'utilisation, c'est ultra agréable. Ah, je masse un peu le contour des yeux parce que bon, faut quand même que je me réveille plus. Voilà pour ce deuxième outil. Dites-moi si vous voyez une différence. Franchement, j'ai grave aimé. Celui-ci, je lui mets un 7 sur 10. Au global, je vais noter vraiment l'utilisation, le prix, un peu tout. 7 sur 10, je l'ai bien aimé. Mais là, je vois qu'il est chaud, parce que forcément ça s'est mis contre ma peau. Du coup, je me dis quand même c'est moins agréable. C'est vraiment le frigo qui a fait une big différence, donc je vous conseille de le faire. Voilà, à demain, j'espère, un peu moins fatiguée. Aujourd'hui, on est mercredi, nouvelle journée. Je suis grave contente parce que l'outil qu'on va tester aujourd'hui, j'ai trop envie de le tester. Genre, vraiment, j'ai trop envie de le tester. Genre là, si ça fonctionne pas, je serais dégoûtée. Aujourd'hui, on va tester l'outil de la marque Skin Gym. C'est quand même quelque chose que j'ai payé. Oh mon dieu, non. Me dites pas ça. Je suis sûre qu'il faut des piles et que j'ai pas le pile. Oh non, 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 pas ça. Évidemment qu'il faut une pile et qu'il n'y a pas une pile intégrée. Ok, je vais essayer de trouver une pile. J'ai trouvé une pile, plus de peur que de mal. Alors, du coup, nous avons notre petit outil qui coûte quand même 70€, mais qui est apparemment miraculeux. C'est un outil qui est vibrant cette fois-ci. Je l'ai acheté sur le site de Sephora si jamais ça vous intéresse. C'est pour avoir une peau glowy et apparemment, ça a les effets d'un massage professionnel. Ok. Sculpte, définit et relaxe le visage. Juste si je peux dire un truc, ça fait grave, c'est horrible ce que je vais dire, mais ça fait grave truc de dropshipping. Fallait quand même que je le dise. Mais si ça fonctionne, on verra. C'est parti. Oh j'adore. Ah ça fait mal aux oreilles. Ça me fait vibrer genre à l'intérieur de l'oreille, c'est horrible. Si on s'approche pas de l'oreille, c'est trop agréable. Par contre, je doute que ça fasse quelque chose. Oh, ici, c'est incroyable. En fait, certes, ça vibre et ça fait trop du bien. Mais genre, pour moi, pour sculpter, il faut appuyer et en fait créer la forme, entre guillemets. Et là, bah, comme je passe juste par-dessus ma peau, certes, ça vibre, mais ça vibre pas en mode, c'est en train de me sculpter le visage là. Enfin, c'est trop agréable. Est-ce que vous voyez une différence entre le côté gauche et le côté droit ? Peut-être un petit peu. On va faire l'autre côté et on va voir. C'est agréable. J'arrive pas à savoir si je sens que ça me fait quelque chose, mais c'est agréable. Ok, bon, j'ai terminé. Je sais pas trop quoi en penser. Franchement, je sais pas. Je pense que là, sur ce coup-là, c'est vous qui allez me dire. Peut-être un petit peu, hein. En vrai, quand je me vois dans le retour, j'ai l'impression qu'un petit peu, genre le bas de mon visage, parce qu'en vrai, c'est là où je me suis le plus massée. Peut-être. J'ai bien aimé à l'utilisation, même si je pensais que ça allait être un petit peu plus, entre guillemets, luxueux pour 70€ et que c'est un petit peu cheap. Mais j'aime beaucoup le concept. Juste pour me détendre, ça peut grave être un bon petit outil. Pour ce petit outil, je vais quand même mettre un 7,5 sur 10 parce que le fait que ça vibre, je sais pas, c'est quand même super agréable. Donc, j'aime bien. Voilà, on se retrouve demain. Bonjour. Aujourd'hui, on est jeudi. Nouvel outil. Nous allons tester le Sarah Chapman London. Non, ça c'est la marque. Le Skinesis The Facial Lift. Je l'ai commandé sur le site Look Fantastic et je crois que ça m'a coûté genre 35€, quelque chose comme ça. J'avoue que ça me donne grave envie. C'est censé vraiment venir drainer et sculpter surtout la mâchoire. Ça peut s'utiliser un peu partout. Ah, c'est mou, je pensais que ça allait être hyper dur, mais c'est un petit peu mou. Je crois qu'on va pas plus tarder que ça et je vais tester direct. Je mets toujours ma petite crème. Où est-elle ?
Ok. Apparemment, il faut pas trop l'utiliser comme ça. Il faut l'utiliser comme ça. Je suis tellement ridicule dans cette vidéo. En vrai, c'est agréable. Non, ça roule pas hyper bien, je trouve. J'ai regardé une petite vidéo et apparemment, il faut le faire au moins 6 fois comme ça. Et au fur et à mesure, on monte. Ugh. Ça fait un peu mal, mais pour le coup, je sens là que ça me travaille les joues. Mais ça fait vraiment gadget, genre en plastique, un peu genre j'ai l'air extrêmement ridicule. Et j'ai vu qu'on pouvait l'utiliser comme ça. C'est absolument pas satisfaisant. Genre ça a l'air beaucoup plus satisfaisant que ce que c'est en réalité. Ça roule bizarrement, genre c'est pas agréable. Ah mais j'aime pas ce truc en fait, je m'attendais à ce que ce soit trop bien. Genre pour là, ça va. Genre c'est pas un massage comme d'autres trucs, genre par exemple hier, le petit outil vibrant. Où là ça faisait du bien sur la peau, mais là, bon, je vais perdre mon visage. Genre des boutons là, je suis rouge comme une tomate. J'étais plutôt emballée quand même sur plein de trucs cette semaine, mais là, genre je sens par contre que, si, je sens que c'est, ça travaille. Logique, vu la couleur de mes joues. Et du coup on peut pas se masser genre le front par exemple. C'est vraiment que pour la mâchoire, enfin le bas du visage. Bon, un peu déçue de cet outil. Après je me dis ça va, c'était quand même pas le plus cher de cette semaine. Mais bon quand même, 35 euros pour un truc qui est en plastique et qui est ni agréable ni facile à utiliser. Bon, à moins que ce soit le truc efficace et que vous me dites en commentaire, Andy, c'est l'outil qui a le plus fonctionné. J'ai pas été trop emballée. Bon écoutez, c'est pas grave, demain, un nouvel outil, il nous reste encore plein de choses à tester, donc ça va. À demain. Bonjour. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouveau test. J'ai trop hâte de tester, je sais que je dis ça pour tous les jours, mais vraiment j'ai trop hâte. Nous allons tester le New Face Mini. J'adore ce genre de gadget, vraiment je suis... J'ai pas compris là. Oh, il y a un produit. Je savais pas ça qu'il y avait un produit dedans. J'ai pas fait attention en commandant, ok. Je l'ai commandé pareil sur Look Fantastique. Est-ce que vous êtes prêts pour le prix? Je crois pas. 213 euros. C'est pour ça que j'avais très hâte de tester parce que j'espère que c'est un produit de luxe. C'est censé aider pour contouringuer son visage, tonifier et aide aussi pour les petites ridules. Il y a plein de... Je sais pas s'il y a des différents modes, comment ça fonctionne, parce que j'ai l'impression que ça vibre pas. Je comprends pas du tout là ce que j'ai acheté. Est-ce qu'ils ont mis une vidéo How to use? Ok, c'est ça que je veux. Ok, donc faut d'abord appliquer le gel primer. Ok, donc dès que ça fait un bruit, ça veut dire que j'ai fini mon mouvement. J'ai l'impression que c'est... J'arrive pas à trouver de traduction, quelque chose, mais c'est de la... Pas de l'électricité, c'est de la... Oh putain, je trouve pas le mot. Micro-courant, c'est des micro-courants. Donc je pense que c'est pour ça que là j'ai eu l'impression d'avoir une espèce de mini décharge écrit tout à l'heure. Et ça s'active grâce au gel. On va l'appliquer, il faut mettre que sur les zones. On va utiliser. Et le gel coûte giga cher. Genre là j'ai la version mini et sur le site j'ai vu que genre le grand format avec pompe, ça coûtait 95 euros. Donc genre si j'ai pas un lifting, si j'ai pas perdu 10 ans là, ça va pas du tout le faire. En plus il faut en mettre une tonne parce que ce soit genre vraiment en couche épaisse. Je vais mettre au... J'ai très peur. Et pourquoi là j'ai plus de décharge électrique? Je comprends pas. Alors j'ai des picotements, genre je sens les petites... je sens l'électricité on va dire. Mais j'ai clairement l'impression d'avoir dépensé de l'argent pour rien. Bon j'ai pas vu le résultat encore, on va voir si ça fonctionne. Mais genre je sens un peu d'électricité mais genre ça vibre pas, j'ai aucune sensation qui prouve que ça fonctionne. Je jure que là j'ai l'impression de m'être fait trop arnaquer. Normalement c'est 3 fois par zone donc je vais faire un peu plus pour voir. Je suis choquée, je m'attendais genre à un truc qui vibre ou... Je sais pas. J'avais oublié de mettre la lampe. Je fais n'importe quoi ce matin. Bon, c'est en train de me saouler ce truc. Je suis extrêmement déçue. Attendez, je vais l'éteindre carrément. C'est bon, ça m'a saoulée. J'ai fait que d'un côté. Ah ! En vrai, j'ai ma joue qui est un peu liftée. Mais bon, genre là j'ai passé beaucoup plus de fois que ce qui est recommandé. Et apparemment c'est vraiment miraculeux, genre c'est instantané. Mais je suis trop déçue. Je vais faire l'autre côté mais franchement je suis grave déçue. En plus, ce que j'aime pas, c'est qu'il faut grave avoir la patience. Parce que du coup je suis censée arrêter dès que le... Enfin changer de mouvement dès qu'il y a le bip. Et du coup, regardez comment c'est lent. Moi j'aime bien quand c'est genre... Mais là pas du tout. Je prends des décharges. Non mais attendez, 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 attendez. Pour le prix, c'est pas possible. Est-ce que vous voyez une différence? Je n'en vois absolument pas.
Juste par contre, j'y suis allée trop fort sur le front, là, je suis rouge comme tomate. Je sais pas, je m'attendais, enfin franchement pour le prix, surtout qu'ils disent vraiment 5 minutes max par jour, là j'ai fait beaucoup plus. Et vous avez un lifting garanti, bah là je vois rien. Je vois rien. Par contre, je vois un truc, vous allez me le dire à la fin de la vidéo, mais au fur et à mesure de la semaine, j'ai l'impression que j'ai quand même dégonflé. Mais en tout cas, franchement, trop déçue de cet outil. Je lui mettrai un 4 sur 10. Je suis trop déçue. J'espère que demain, on pourra rattraper un peu le truc. Bonjour! Aujourd'hui, nouvelle journée, avant-dernier jour. Chaque matin, c'est un peu Noël, quand même. J'unbox des choses, et alors là, mon petit, comment dire, mon petit nez, non, mon petit doigt... Mon petit doigt me dit qu'on va être sur l'accessoire le plus ridicule de toute la semaine. Nous avons cette chose. Comment la décrire? Je ne sais pas. J'ai acheté ce produit sur Amazon. Bon, j'arrive pas à retrouver le lien de ma commande, mais il me semble que ça m'avait coûté 25 euros, quelque chose comme ça, sur Amazon. On va tester. Je ne sais même pas vraiment ce que c'est. Shape Delicate V-Face. C'est pour avoir la tête en V. Regardez, il y a des petits pictogrammes qui expliquent les mouvements de massage que ça peut reproduire. Attendez, je vais essayer de le mettre comme elle sur la photo. Non mais là vous allez trop GG. Je sais qu'en commentaire on va dire ni 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 à 21 ans être obsédé par son visage. Tu verras quand t'auras 40 ans. J'essaye alors. Le premier mode c'est thune à mode. Le mode ton. Oh my god, j'aime pas du tout. Ça fait une sensation genre comme des mini décharges électriques. Ah je déteste. J'ai l'impression qu'on m'anesthésie la bouche. Oh my god. Ok, on change de mode. De mode en Canadian mode. Je comprends rien. C'est affreux. Mais c'est, quand je dis que c'est affreux, il vous faut croire que c'est des pouces qui vous font ça. C'est juste des décharges électriques. Impossible que ça marche. Enfin, je sais pas. En même temps, là, ça me fait des décharges électriques ici. Et du coup, ça me contracte toute la mâchoire. Donc, si ça se trouve, ça fonctionne, hein. Non mais c'est un supplice carrément. Non mais attendez, attendez, je ne peux pas croire que quelqu'un puisse acheter ça réellement. C'est pas fait pour les gens qui... Ah non mais c'est... Ah non, attendez, faut que je change de mode là, c'est atroce. On va mettre le beat mode. J'ai trop peur. Je vais prendre des gifles. Ah mais je vous jure c'est des coups de jus. J'ai des coups de jus sauf que parfois c'est des coups de jus genre en rond. Parfois c'est des coups de jus en petit pic. Ok, on va changer en automatic combination. Ça me fait des décharges dans les joues et ça me contracte toute la mâchoire. Mais c'est affreux. Ah non c'est ça l'automatique. Mais c'était quoi le beating? C'est trop pour moi, je vous jure que là c'est des décharges dans la joue. C'est abominable, n'achetez pas ça. En même temps qui achète ça? Personne, à part moi. En fait c'était pile ici là. Ça me faisait des... Mais version décharge électrique, comment vous décrire? Et toute ma mâchoire se contractait. Horrible, mais vraiment n'achetez pas cette merde. Désolée de le dire comme ça. Je suis très déçue, je ne sais pas si ça a fonctionné, vous allez me dire sur le avant après. Mais après avec le montage, on peut croire que j'utilise le truc 2 secondes, mais bon vous n'allez pas me regarder l'utiliser pendant 45 minutes. Enfin pour chaque outil, mais là, pour le coup c'est particulièrement désagréable. Puis même c'est pas du tout rassurant, genre il y a littéralement les fils du truc qui se voient... C'est une sale gueule. Franchement, pour cet outil, je lui mets un 1 sur 10. Et il a 1 parce qu'il est rose. Donc autant vous dire que c'est pas terrible. Écoutez, j'espère que demain, on va finir sur une touche finale. Pour l'instant, c'est le pire outil de la semaine. Mais la semaine n'est pas finie. Tout peut encore arriver. Bonjour, nouvelle journée, dernière journée. J'ai dormi 3 heures cette nuit et j'ai un shooting aujourd'hui. J'espère que ce dernier outil va fonctionner parce que sinon, bah, les photos seront moches, hein. Je vous présente le contour cube mini. Je l'ai unboxé sans vous parce qu'il fallait que je le mette au congélateur hier soir. Je l'ai payé 20,25€ sur Beauty Bay. C'est quelque chose que j'ai vu énormément sur TikTok. Offrez un soin glacé à votre peau, où que vous soyez, grâce au mini contour cube. Révolutionnaire et facile à emporter partout, le contour cube bénéficie d'une conception unique pour venir modeler et sculpter le visage, resserrer les pores, dégonfler les poches sous les yeux et apporter de l'éclat à votre peau au quotidien. Ça me séduit. Bref, en gros, c'est un glaçon géant. Je crois que c'est grave galère à ouvrir. Oh, je l'ai pété, je crois. Je vais regarder sur leur site s'ils indiquent des trucs. Ah, il faut mettre un peu sous l'eau. Ça commence mal. En plus, je suis à la bourre. Oh my god, je crois qu'il se passe une dinguerie là. J'ai trop le seum. Mon glaçon s'est pété. On va utiliser que cette partie, hein. Ok, je vais mettre une serviette parce que j'ai peur que ça me fonde dessus. Après, c'est logique. Un glaçon, c'est censé te faire dégonfler. Ils disent de l'utiliser maximum une minute. Et ils recommandent 30 secondes. Venez, je mets un timer. Ouh, ça réveille. Ouh, c'est très froid. Sans doute. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable.
Déjà ? Oh, je vais utiliser un peu plus. Par contre, c'est horrible. Ça fond dans tes mains. Je vais pas trop le faire parce que c'est vraiment pas hyper bon après de se congeler la peau. Et j'arrête. En fait, j'adore l'utilisation par contre. Genre, c'est désagréable le froid, mais en même temps, ça te réveille grave. C'est un peu comme quand tu sors dehors en plein hiver et qu'il fait genre ultra froid. T'es en mode, c'est horrible, mais en même temps, ça fait un peu du bien. Ça m'a réveillée, mais dans, vraiment dans le bon sens. Genre, putain, et ça m'a. Mais même ma peau, elle a l'air mieux. Ça m'a grave donné bonne mine. Après, le froid, c'est le secret de tous les problèmes. C'est incroyable. Je lui mets un 9 sur 10. J'ai adoré, je me sens trop bien. Genre là, j'ai envie de. J'ai l'impression que j'ai ma vie en main. Et puis même, j'ai la peau toute douce. Tout bien, j'ai adoré ce produit. Il faut qu'on aille débriefer avant que je parte. On a des choses à se dire. Désolée, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais il est très très tôt. Je suis obligée de vous débriefer maintenant parce qu'après, j'ai mon petit footing. J'ai trop hâte d'ailleurs. Écoutez, j'ai adoré faire cette vidéo, mais je suis assez choquée parce que j'ai dépensé énormément d'argent. Je pensais réellement trouver un outil incroyable, l'outil miraculeux. Je suis très 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 contente de l'outil que j'ai trouvé aujourd'hui, mais je m'attendais à quand même avoir 2-3 dingueries et je me rends compte que le Gua Sha, c'est vraiment mon meilleur outil. C'est le seul outil qui pour moi peut avoir un 10 sur 10. C'est outil qui a changé ma vie, vraiment. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. Je sais pas, j'avais envie de faire ce test. C'était trop... Ça me correspond trop comme genre de vidéo. Donc dites-moi en commentaire, selon vous, quel outil a le plus fonctionné avec les avant-après? Quel outil vous utilisez, si vous utilisez quelque chose? Mais j'ai trop aimé cette vidéo. Dites-moi si vous voulez plus de trucs un peu comme ça. Moi, j'ai adoré. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, sur YouTube. Je poste 2 vidéos par semaine. Et sur TikTok, enfin un peu partout. Et nous, on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ah oui, je suis désolée, il n'y a pas eu de vidéo dimanche. J'ai eu une semaine très 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 compliquée à tous les niveaux la semaine dernière et c'était trop pour moi et je préférais pas faire de vidéo que de faire une vidéo dans une mauvaise vibe. On veut que des bonnes vibes.